Salut à tous, c'est Jérémidas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est le jour 12, 13, pardon, jour 13, si je me trompe pas, de mon défi zéro gluten, zéro déchet, 100% espagnol. Alors déjà, je vais faire un petit débrief sur les trois défis. Comme je t'ai dit, le zéro déchet, c'est un défi très compliqué pour moi à mettre en place pour le moment, parce que du fait que je ne sors pas chez moi, du fait que je n'ai pas l'occasion d'aller dans les magasins que j'ai envie d'aller, c'est plutôt difficile. Le zéro gluten, là ça fait 2 jours, je pense. Non, hier j'étais au restaurant, mais bon voilà, c'était un peu plus compliqué. Mais à part être allé au restaurant, sinon je le tiens depuis plus de 2-3 jours, même plus un morceau de pain, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Défi espagnol, je le tiens, c'est assez facile. Il faut savoir aussi que je fais le miracle morning toujours. J'ai juste enlevé une partie des 4 tâches que je faisais, je n'en fais plus que 3 et je remplace la dernière tâche par espagnol. C'est la vidéo de motivation. Je trouvais que ça avait un. On était plutôt en rapport voilà, avec la méditation, ça. Et je trouvais un peu les mêmes effets en fait. Donc pour l'instant je préfère voilà, me contenter de continuer comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très spécial, c'est la pression sociale et le rôle de la pression sociale dans nos vies. Parce que, en fait, je vais encore prendre un exemple de ma vie personnelle. Il se trouve que là, je suis rentré en Bretagne et je vois énormément de gens, je vois énormément d'amis. Et en fait, je suis pas mal sorti. Il se trouve que moi, il y a quelque chose que j'avais arrêté depuis très longtemps, que je ne touchais quasiment plus, c'est l'alcool. J'aurais pu en faire un défi, mais il se trouvait que voilà, je n'en avais pas besoin, puisque j'avais déjà arrêté. Et là, en fait, en 4 jours, ces 4 derniers jours, j'ai bu 3 fois de l'alcool sur les 4 derniers jours. Donc, là, ça m'a remis en question aujourd'hui. Je me suis dit, oula, on voit bien le rôle de la pression sociale. Parce que, en fait, moi, je n'ai pas forcément envie de boire de l'alcool, de base, pas du tout. Mais le fait que les personnes à côté vont soit boire de l'alcool, soit t'inciter même à boire de l'alcool, bah, ne va pas aider. Tu vas te sentir jugé, et pour ne pas te sentir jugé, tu vas finir par boire de l'alcool. Alors, j'ai un peu cédé. Après, faut savoir, j'ai pas bu énormément, hein, je précise tout de suite. C'était 2 ou 3 verres à chaque soirée. Mais quand même, on cumule tout ça, ça fait quand même pas mal d'alcool dans le corps. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que oui, voilà, j'ai un peu cédé à la pression sociale. Et ne faites pas ce que j'ai fait, parce que je me suis un peu déçu moi-même, puisque après, c'est quelque chose de dur, là aussi, c'est un défi qui est challengeant, c'est un défi qui est intéressant. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas céder à la pression sociale, c'est-à-dire que même si les gens voilà, vous incitent, vous disent, vous jugent, en fait, tout simplement, parce que vous ne buvez pas d'alcool, assumez votre position. Moi, en fait, c'est ce qui s'est passé cette dernière année. Même si ça fait même plus longtemps qu'un an, je dirais que j'ai vraiment quasiment arrêté de boire de l'alcool. Mais voilà, assumez, parce qu'en fait, les personnes, au final, vont vous respecter, les personnes vont même vous admirer, vous avez même peut-être inspiré d'autres personnes à boire moins. Moi, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué quand même que j'ai influencé positivement mon entourage à réduire sa consommation d'alcool, c'est-à-dire que j'ai des amis, j'ai ma copine qui se sont rendues compte, mais en fait, elle buvait peut-être, ces personnes-là buvaient peut-être trop en soirée, et que, donc, même si je n'ai pas réussi à les faire s'arrêter, j'ai vraiment réussi à les faire diminuer leur consommation d'alcool pendant les soirées, donc c'est vraiment, je suis vraiment content pour ça, et là je montre pas trop l'exemple, hein, même si, voilà, j'essaie de limiter, mais j'ai pas trop montré l'exemple, donc là, il va falloir que je reprenne le cap là-dessus, parce que j'aimerais, ce serait dommage de s'imposer un défi pour quelque chose, donc j'ai déjà, voilà, que j'ai déjà combattu, on va dire, pour une mauvaise habitude que j'ai déjà éliminée, et voilà, en fait, depuis ces derniers jours, en fait, je vous parle de l'importance de partager avec les autres, de l'importance de faire des choses, de faire des projets avec les autres. Mais ça peut être dangereux, dans le sens où, en fait, on peut se faire influencer par les autres aussi. Il ne faut pas tomber là-dedans. Donc, même si je conseille, évidemment, de partager un maximum de choses avec d'autres personnes, que ce soit des projets, que ce soit, voilà, tout simplement une activité, que ce soit sa journée, en fait, il faut prendre des moments pour soi, pour être seul, mais la plupart du temps, il faut quand même essayer d'être
maximum entouré de personnes, mais il faut aussi prendre garde, parce que même si ces personnes ne vous veulent pas du mal, elles peuvent vous influencer avec leurs mauvaises habitudes. Et ça, justement, c'est une chose à éviter. C'est que, en fait, c'est un peu le combat entre... C'est un combat qui est inconscient, c'est un combat qui est psychologique, mais c'est un combat entre les personnes qui vont avoir des mauvaises habitudes et les personnes qui vont avoir des bonnes habitudes. Et en fait, il va y avoir une influence de chaque partie, et c'est celui qui va le plus tenir ses résolutions qui va, en fait, l'emporter. Et évidemment, pour une mauvaise habitude, c'est beaucoup plus simple de la tenir, puisqu'on n'a pas envie de faire d'efforts pour la changer, puisque en fait, tout simplement, c'est une mauvaise habitude, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous, mais qu'on continue de faire parce que c'est facile. Alors qu'une bonne habitude, ce n'est pas forcément quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qu'on doit, voilà, on doit persévérer, on doit durer, et il y a un vrai combat psychologique entre les mauvaises habitudes et les bonnes habitudes. Et même si vous avez des amis, évidemment, qui ont des mauvaises habitudes, puisque tout le monde a des mauvaises habitudes, même moi, j'ai des mauvaises habitudes, faut pas les juger pour ça non plus. Mais tout simplement, faut, de même que vous respectez leur choix, il faut qu'eux respectent votre choix, en fait. Et pour qu'eux respectent votre choix, il faut l'assumer, en fait. Faut pas, en fait, leur faire comprendre que c'est un choix qui est tangible, c'est un choix, en fait, sur lequel vous pouvez revenir. Non, faut vraiment leur faire comprendre que c'est un choix que vous tenez fermement, que c'est quelque chose à laquelle vous croyez, que c'est quelque chose pour lequel vous êtes déterminé. Après, s'il y a des personnes qui se sentent mal à l'aise et qui commencent à vouloir vous exclure ou à vouloir vous juger, à vous critiquer, dans ce cas, il est temps de se débarrasser de ces personnes. Mais en général, si vous avez des bonnes habitudes, moi j'ai plein d'amis, même si eux continuent à boire, ils étaient vraiment contents pour moi quand ils ont vu que je voulais arrêter de boire. Ils étaient vraiment contents, ils me disaient que c'était pas bien et tout. Et même si eux, ils ont pas forcément réglé cette habitude, ça, j'ai l'impression que ça les faisait plaisir, en fait, de voir que moi je faisais cet effort. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il y aura toujours les gens qui seront là pour vous soutenir, même des personnes qui n'auront pas forcément fait ce chemin-là. Ce sont des personnes, en fait, qui, en général, je pense, ont déjà envisagé cette solution, mais n'ont pas encore le courage de le faire. Et peut-être qu'à travers vous, justement, elles pourront trouver le courage de le faire. Donc, vraiment, l'importance des habitudes, c'est encore une fois primordial, parce que vous allez avoir un impact sur votre environnement, un impact sur les autres. Donc, plus vous avez de bonnes habitudes, plus vous allez être positif, plus vous allez être attractif, et plus vous allez impacter positivement les autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Pour ça, la vidéo sera pas trop longue. Je vous rappelle que je fais ce défi 100% espagnol du mois avec Erwan, la chaîne Erwan Experience Insolite. Le lien, je le mets dans la description, comme d'habitude. Moi, j'ai pas le temps de faire des vidéos tous les jours. Lui, il est à carreau, il fait vraiment des vidéos tous les jours, donc c'est génial. Je vous rappelle, on a fait une interview aussi, tous les deux, première vidéo ensemble, et ça s'est vraiment bien passé. Là, on va discuter du projet ce soir. Peut-être que j'en parlerai demain, du coup, parce que c'est vrai que là, ça fait 2-3 jours. C'est vrai que je m'étais dit, pour finir, c'est vrai que je m'étais dit que je voulais justement m'occuper du projet un peu tous les jours, avancer un petit pas tous les jours. Et là, c'était un peu compliqué parce que j'étais vraiment très occupé. Mais je compte vraiment m'y reprendre. Là, je considère qu'en gros, c'est ce soir que je m'occupe du projet. Si demain, je trouve un peu le temps pour m'occuper du projet, ça serait génial. Et voilà, en tout cas, la régularité, il faut la garder. Donc même si là, j'arrête pendant 3-4 jours, à partir d'une semaine, ça commence à être chaud. Donc il faut vraiment que, voilà, on va dire, à partir d'une semaine, ça commence à être compliqué. Il faut vraiment reprendre cette régularité, cette habitude. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vous dis ciao, et puis à la prochaine.